Donc, coucou Hélène, merci de m'accorder ce temps pour parler donc de ces événements à venir à Saucé-les-Pins. Donc, Saucé-les-Pins, ça se trouve à peu près 20-25 minutes de Marseille et d'Aix, c'est ça? C'est ça. C'est, oui, 20 minutes de Marseille et un peu plus d'Aix, aux alentours d'une demi-heure d'Aix. C'est sur la côte bleue, pile poil entre Marseille et Martigues. Donc, ce Vraiment. qu'on appelle la côte bleue dans le sud, c'est le bord de mer. C'est toute une côte en fait avec différentes plages. Et donc, du coup, tu vas nous accueillir pour deux classes au mois d'avril, donc du 17 au 19 avril. Donc, on va commencer ce week-end de parenthèse. Je peux vraiment appeler ça comme ça parce qu'en plus, tu proposes des logements. On va en reparler. Donc, tu es maison d'hôte, c'est ça? Oui, c'est ça. Maison d'hôte, chambre d'hôte, Chambre avec le d'hôte. petit déjeuner. Donc, on propose la nuit, le petit déjeuner, et donc l'accueil chaleureux, pétillant que nous avons l'habitude d'avoir. Et que tu es, enfin voilà, rien qu'à te voir, à t'entendre, ça chante et c'est déjà pétillant. Donc, du coup, ça va être 3 jours ensemble pour des classes Access Consciousness. Donc, pour les personnes qui connaîtraient pas Access Consciousness, c'est une approche qui nous amène vraiment vers plus de conscience, plus d'écoute de soi. Et finalement, à partir de cet espace-là, ben, créer plus une vie qui nous ressemble, avoir plus d'aisance et vraiment inviter plus de joie. Donc, on a partagé déjà en début d'année une classe ensemble. C'était une classe qu'on appelle Fondation. C'est une classe de 4 jours qui arrive après une classe qui s'appelle Access Bar où on commence à peine à découvrir Access. Et donc, durant ces 4 jours, on va un peu en immersion sur plein de sujets sur la conscience. Donc, ce n'était pas ta première classe et pourtant, cette classe a créé beaucoup de choses pour toi. Est-ce que tu veux partager certaines choses? Oui, tout à fait. Ça a été vraiment pour moi la classe explosive, on va dire, de ce début d'année 2020, qui a ouvert tellement de nouvelles portes dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. J'ai fait des nouveaux choix. Ça a vibré tellement fort en moi parce que tu es allé avec ton pétillant à toi, avec ton énergie à toi. Tu es allé mettre le petit doigt sur des petits trucs qui étaient un peu verrouillés, un peu contractés. Et tu as réussi à libérer en moi des choses qui font qu'aujourd'hui, j'ai plus comment dire, des verrous, en fait. J'avais des portes fermées, que je m'étais fermée toute seule d'ailleurs. Et tu as juste permis cette ouverture de porte devant moi qui fait qu'aujourd'hui, ben, ma vie est complètement différente et je suis sur le chemin de nouveaux projets et pour mes chambres d'hôtes et pour ma nouvelle vie professionnelle et puis dans mon être aussi puisque j'ai changé de couleur de cheveux. Il y a des tas de choses chez moi qui changent. Alors peut-être que mon compagnon, il sera un peu surpris, on va dire, de tous ces changements, mais ça crée tellement de nouvelles choses pour moi, tellement de joie. Et j'ai comme l'impression que tu m'as transmis aussi la joie que tu vibres toi aussi. Et Ah, c'est ça qui est merci. génial dans les classes fondation, c'est qu'on partage ce moment et tu réussis dans ces temps-là à déclencher quelque chose, mais vraiment en fonction de chaque être que tu as devant toi. Parce qu'on était plusieurs dans cette classe-là et dans chacune, tu as réussi à révéler des choses et vraiment gratitude. Et du coup, c'est pour ça que grâce à cette fondation, j'ai envie d'aller encore plus loin avec toi. Et c'est pour ça que cette création de nouvelles classes, ben ici dans mon lieu, c'est pour moi tout simplement magique, magique. Wow, merci pour ces retours et ça me replonge dans ces 4 jours qu'on a vécu et de voir toutes ces actualisations. Enfin, c'est juste magnifique. Merci pour ces retours et effectivement, je suis super excitée aussi par cette aventure qui continue donc sur deux classes, donc sur d'autres thématiques. Et on va commencer le vendredi, donc ce sera le 17 avril, par une classe qui est sans prérequis. Ça veut dire que toute personne, en fait, même qui connaît pas Access Consciousness, peut y participer. Et en fait, c'est pour moi, cette classe Being You, donc c'est l'aventure d'être soi. C'est vraiment une mini fondation. Donc, la classe dont on parlait, qu'on a fait en début d'année, c'est 4 jours. Et en fait, sur une journée, c'est vraiment plus qu'une journée explosive. C'est vraiment où on va aller explorer mais tellement de sujets par rapport à toutes les questions donc, des participants et aller regarder où, là aussi, en fait, on s'est verrouillé à être soi, c'est-à-dire à exprimer tout son potentiel, que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel. Voilà, comment finalement aujourd'hui on construit sa vie et quel choix on fait à partir de quel espace qui peut nous limiter et comment à ouvrir beaucoup plus de portes, eh bien, on peut accueillir beaucoup plus de possibilités. Donc, ce serait une classe d'une journée.
qui est issue d'un livre qu'a écrit le docteur Dan Ear, qui est le cofondateur d'Access Consciousness, et Sois-toi et change le monde. Et ça donne un petit peu le ton de cette journée, donc qui sera le vendredi 17 avril. Donc tout le monde est invité à nous rejoindre. D'ailleurs, quand j'ai tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Ça peut être même des personnes qui viennent avec leurs enfants. Les enfants sont vraiment bienvenus à ces classes. Est-ce que toi, tu as un retour à faire par rapport à cette classe? Tu ne l'as pas faite, je sais, mais qui t'intéresse beaucoup. Justement, c'est le titre qui me fait vibrer, parce que souvent, on n'est pas vraiment soi. On a notre petite voix qui nous dit « Ah non, fais pas ça parce qu'on risque de te prendre pour ci. Fais pas ça parce que tu risques… » Du coup, souvent, on se verrouille tout seul et on n'est pas nous-mêmes. Or, cet espace-là que tu vas proposer, c'est révéler qui nous sommes vraiment et vers quoi on peut aller quand on s'autorise à être vraiment qui on est. C'est comme ça que je le perçois, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire cette classe-là, et que j'ai tant de gratitude pour que tu aies choisi de le faire ici, parce que ça va permettre à des gens qui habitent autour de chez moi, qui habitent dans mon coin, de pouvoir venir et participer à cette classe, même s'ils ne connaissent pas Access Consciousness, même si effectivement ils n'en ont jamais entendu parler. Par contre, sois-toi, ça c'est quelque chose qui parle aux gens et qui peut ouvrir pour chacun un autre espace, une autre façon d'être pour pouvoir peut-être créer une vie qui est vraiment en correspondance avec la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Et quelquefois, on se dit que ça demande du temps, le changement. Et finalement, par rapport au retour que tu as fait, c'est comment quelquefois, quelques verrous, en fait, quelques points de vue qui changent, ça peut vraiment faire toute la différence et nous permettre d'avoir cette aisance d'avancer, mais tellement plus rapidement. Donc, c'est aussi les points de vue qu'on a sur le fait de dire c'est une journée ou 4 jours, que ça va prendre du temps, que c'est pas assez ou que… Enfin voilà, on se trouve des fois des raisons et des justifications qui nous empêchent finalement de choisir ces événements qui sont, de par ces outils particuliers, extrêmement dynamiques et porteurs, et où chacun en fait peut trouver les clés de ce qui les verrouille finalement à choisir cette joie, cette aisance, et peut-être des nouveaux projets ou du moins beaucoup plus de clarté, ça c'est certain. Ouais, tout à fait. Donc ça, ce sera le premier événement, et on continuera donc le 17, donc le vendredi, par une soirée sur une classe spécialité d'Access aussi qui s'appelle « Parler aux entités ». Donc c'est une classe spécialisée de 2 jours et demi, donc on commencera par une soirée qui est aussi ouverte à tous. Donc c'est une soirée d'introduction sans prérequis, où on peut commencer à découvrir en fait ce que Access Consciousness et ses outils ont à nous offrir sur ce qu'on appelle finalement qu'est-ce qui est invisible autour de nous. Quelle connexion en fait on s'est pas permis d'avoir avec ce qui nous entoure, et combien en fait ça aussi ça fait partie de notre conscience, et combien on pourrait avoir plus d'aisance dans sa vie en fait à s'ouvrir à ce qu'on ne voit pas mais ce qu'on perçoit déjà. Et toi, tu as déjà fait cette classe, donc tu as peut-être des retours à faire sur ça, Hélène. Oui, moi c'est grâce à cette première classe que j'avais faite il y a 2 ans je crois en arrière, où j'ai pris conscience que mon corps était capable de percevoir des choses au travers, au niveau kinesthésique, en fait, au niveau du corps lui-même, que je percevais des choses que je n'avais pas conscience de ce que c'était. Et cette classe a ouvert vraiment une conscience différente sur ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et autour de mon corps. Et c'est vraiment découvrir chacun à son rythme, hein, en fonction de là où on est, où on en est, au moment où on démarre cette classe. Et là où on va, et là où on découvre vraiment des nouvelles choses très subtiles qui peuvent nous permettre de comprendre ce qui se passe dans la vie, tout simplement, dans la vie qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de créer. Ouais, et j'adore le mot que tu emploies, cette subtilité en fait qui n'est pas toujours décelable, et comment avec ces 2 jours et demi et déjà cette introduction, on peut avoir beaucoup plus de clarté sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut ressembler, dans quelle mesure ça peut impacter notre quotidien, dans quelle mesure ça peut contribuer à notre quotidien, et dans quelle mesure on peut aussi se rendre beaucoup plus présent dans notre quotidien sur ce qui est vraiment. Et du coup, quand on est dans cette présence, dans cette clarté et dans cette conscience, c'est là qu'on est dans l'espace du choix, de voir en fait avec la conscience totale qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qui crée et qu'est-ce qui
voilà, qu'est-ce qui peut nous contribuer. Moi, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup contribué au niveau aussi de l'écoute de moi-même, au niveau de tout ce qui est l'écoute de la nature aussi, enfin, être présente à cette contribution qu'est notre planète et aussi voilà, la contribution qu'on peut être pour notre planète. Et ça va tellement plus loin. Donc, voilà, pour les personnes qui seraient intéressées, il y a une soirée d'introduction qui sera le vendredi, donc 17 avril. Et on poursuivra, donc, pour les personnes qui auraient déjà fait une classe d'introduction et la classe Access Bar aussi. Donc, on continuera le samedi 18 et le dimanche 19 pour ce week-end complet, donc au bord de mer, sur la côte bleue, pour cette classe parler aux entités. Au bord de la mer et face à la mer, puisque la salle dans laquelle nous allons faire ça a la vue sur la mer. Donc, c'est un espace aussi où on a une super vue sur le jardin. Tu parlais de nature. Moi, j'ai très à cœur de protéger la nature et d'être vraiment au cœur de la nature. Et dans cet espace que j'ai créé, c'est vraiment ça aussi, la vue sur la mer, la vue sur le jardin et tout ce que la nature peut nous apporter. C'est absolument génial. Wow, merci. Donc, je me languis. Voilà. De parler de ça, tu vois, c'est comme si je perçois, en fait, voilà, déjà la contribution de la mer, quand on est face à la mer, comme ça, qu'on a cette expansion, ce bien-être, même si on n'y met pas de mots, etc., justement, au-delà des mots, si on est vraiment présent à tout ça, qu'est-ce qu'on peut recevoir de plus et créer de plus dans sa vie? C'est juste magique. Tout à fait. Donc, merci pour ces retours. Vraiment, je me réjouis de te retrouver donc, au mois d'avril. Donc, les personnes qui auraient des questions par rapport au logement, ils peuvent s'adresser directement à toi. Donc, dans le lien de l'événement, j'ai marqué toutes tes coordonnées. Donc, le lieu, c'est… rappelle-moi le nom, c'est… L'Escale Côte Bleue. Voilà, l'Escale Côte Bleue. Donc, il y a un site internet, les personnes qui voudraient regarder les photos, etc. Et voir si elles sont attirées par cet espace et qu'est-ce que ça peut créer pour elles. Ça peut être aussi une parenthèse dans le sud de la France. Et puis, donc, toutes les informations sur l'événement restent aussi à votre disposition avec Hélène pour nous rejoindre, voilà, si vous avez quelconque question. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment à toi aussi, Marie-Sandrine. Je me réjouis d'avance, mon corps déjà frétille de cette nouvelle aventure que nous allons partager toutes les deux et puis avec toutes les personnes qui choisiront de nous retrouver pour ces trois journées-là. Trois jours, deux jours, un jour et demi, peu importe. Exactement, c'est à la carte. Chacun choisira, voilà. C'est ça. Merci Hélène, je t'embrasse et je te dis à très vite.